Salut à tous, je fais cette vidéo pour vous éviter d'abîmer vos essuie-glaces. Alors, comment on abîme ces essuie-glaces? En fait, c'est quand le pare-brise est gelé et du coup, vous allumez vos essuie-glaces, eux-mêmes, ils sont gelés et c'est là que vous leur mettez, en fait, comme ils sont gelés et le pare-brise il est gelé, des fois, il y a des petits morceaux de glace comme ça et c'est ce qui fait qu'ils abîment les essuie-glaces. Pour éviter ça, tout simplement, soit de gratter, si vous n'avez pas le temps de gratter, de mettre le chauffage intérieur et de rouler comme ça. Ou alors tout simplement de mettre le chauffage et d'attendre que ça fonde. C'est le mieux. Vous faites fondre un peu, vous démarrez 2-3 minutes, vous mettez votre chauffage, ça va faire fondre la glace. Et ensuite, vous le grattez juste, vous grattez un peu le pare-brise, mais surtout ne pas faire de mettre les essuie-glaces juste après. Vous grattez comme ici, vous mettez votre chauffage et vous roulez comme ça sans mettre les essuie-glaces. Parce que les essuie-glaces, tant qu'ils n'ont pas dégelé eux-mêmes, il ne faut pas les faire fonctionner. Comme on voit ici, ils sont encore gelés. Il faut laisser la chaleur du chauffage faire fondre la glace qu'il y a sur le pare-brise, rouler. Et ensuite, comme le pare-brise il va chauffer avec le chauffage intérieur, ça va faire dégivrer un peu les essuie-glaces. Mais bon. Si vous roulez comme ça, vous n'avez même pas besoin de mettre d'essuie-glace. Juste vous grattez une fois que c'est fondu, vous grattez juste un peu. Et vous ne mettez pas d'essuie-glace. Ça va éviter que vous abîmez vos essuie-glaces. Ils vont durer vraiment très longtemps. Voilà. Comme on voit l'autre côté, moi j'ai même pas... Ça fait quoi? Ça fait 2 minutes que j'ai allumé la voiture. Allez, 2-3 minutes. Et on voit déjà que la glace elle est fondue. Il n'y a même pas besoin de mettre un coup d'essuie-glace. Voilà, il vaut mieux rouler comme ça sans mettre les essuie-glaces. Sinon, on va changer les essuie-glaces une fois par an. Voilà, j'espère que cette astuce pourra vous aider à sauvegarder plus longtemps vos essuie-glaces.